Chers compatriotes guinéens, je suis venu de vous informer et de vous faire part à la situation de notre pays parce que Alpha Condé a encarcelé des espoirs de la démocratie dans notre pays, la Guinée. Aujourd'hui, je suis là pour répondre Kouressi Condé et aussi je vais parler un autre point encore. Parce que Kouressi Condé et le temps des généraux Lansana Conté, si Kouressi Condé voulait réconcilier avec Alpha Condé, ou bien il le perd, c'est une personne péresse, Kouressi Condé, il n'a qu'à chercher une autrement se réconcilier avec Alpha Condé. Mais nous, la hypocrisie de Kouressi Condé ne marche pas dans notre pays. Et quand nous demandons la dissolution pour dissoudre l'Assemblée nationale, maintenant, Kouressi Condé a dit que si on voulait que l'Assemblée nationale doit être dissoudre, qu'ils vont être d'accord, mais que Eladji Seloudalen Diallo, M. Seloudalen Diallo doit reconnaître d'abord la défaite de l'IFDC pour reconnaître que Alpha Condé est le président de la République, qu'il est nouveau réélu pour une quatrième république. Kouressi Condé, si lui, il a un problème avec Alpha Condé, il n'a qu'à régler ces problèmes-là autrement, parce que le temps de Sékou Touré, c'est Kouressi Condé qui a participé à l'arrestation d'Alpha Condé. Maintenant, il voulait se réconcilier autrement, même pas pour la manipulation de la Guinée. Nous, on a un cerveau à penser. Nous, on connaît sur quelle base juridique nous rentrons de parler. Parce que Alpha Condé est mal élu. Alpha Condé n'a pas président de la République de Guinée. Parce que nous, on ne le reconnaît pas en tant que président de la République de Guinée. C'est lui qui s'est autoproclamé. Alpha Condé s'est autoproclamé qu'il est le président de la République de Guinée. Mais nous, les Guinéens, seulement ceux qui ont reconnu qu'Alpha Condé est le président, qu'il est nouveau, réélu encore, c'est le groupe de RPC Arc-en-Ciel. Tous les Guinéens qui sont fait la félicitation, même les partis qui sont félicités à Alpha Condé, sont des partis de RPC Arc-en-Ciel, sont des anciens membres de RPC Arc-en-Ciel. Et maintenant, même s'ils sont montrés aux Guinéens qu'ils sont leur parti ou bien ils sont hors de RPC Arc-en-Ciel. Mais tout ça là, c'est dans sa globalité, ils sont des anciens membres de RPC Arc-en-Ciel. Donc c'est RPC Arc-en-Ciel qui a félicité Alpha Condé. Mais nous les responsables guinéens, nous les sociétés civiles et avec les acteurs politiques, aucun responsable a félicité Alpha Condé pour les victoires, pour sa victoire de 7-18 octobre qui est passé. Il n'en a pas de question. Je dis que la Guinée va devenir plus en plus ingouvernable. On va voir. Donc, comme il voulait faire la Machiavelli ne marche pas dans notre pays. La Guinée appartient à tous les Guinéens. On ne peut pas discriminer un parti des citoyens guinéens. On ne peut pas discriminer un bon parti de la Guinée après qui on va gouverner dans la paix. C'est pas possible. Et ce parti-là que vous discriminez, le parti-là que vous fait tous les bari-bari, vous pensez que ça va rester bras croix comme ça? C'est pas possible. Dans l'injustice, il n'y a pas de bonne gouvernance. C'est pas possible. C'est pour vous faire à la connaissance de Kouressi Condé, l'Assemblée nationale est mal élue. Le 22 mars passé, le coup d'État constitutionnel qu'ils ont organisé, il y a un prix à payer. Tous les membres de l'Assemblée nationale, ils sont mal élus. La nouvelle constitution est mal proposée aux Guinéens. La nouvelle constitution, là, ça a été imposé. Ce n'est pas le consentement de la citoyenne. Parce que c'est pas, même 2% Guinéens n'a pas voté pour le référendum de la Guinée. 2%.
Guinée n'a pas voté. Donc, vous ne pouvez pas dire que, si vous dites que la constitution 2010, ça n'a pas été sur les voies de vote. La constitution 2010, ça n'a pas été pour le voie référendaire. Maintenant, cette nouvelle constitution que vous vous présentez à 22 mars, ça aussi, ce n'est pas la consensus collectif. Parce que 2010, au moins, tous les acteurs politiques, y compris de Alpha Condé, vous avez signé la constitution 2010 que vous êtes d'accord. Mais, parce que même si ça n'a pas été une voie référendaire 2010, la convention, comme le CNT de la transition, même si ça n'était pas été comme une voie référendaire, mais c'est tous les acteurs politiques avec toutes les sociétés civiles qui sont unanimement d'accord. Tous les acteurs politiques, toutes les sociétés civiles 2010, on est unanimement d'accord pour cette constitution de 2010. Maintenant, cet référendum illégal, cette coup d'état constitutionnel que vous avez fait le 22 mars, ça restait dans l'histoire. Même 2% Guinéens n'a pas voté. 2% Guinéens. Maintenant, si vous estimez que cette constitution va continuer et exécutation de notre pays, vous êtes trompé. Toutes les lois que vous êtes en train de voter, tous les blisés que vous avez voté illégalement, vous allez rembourser. Tout ça, là, ça va être remboursé. Parce que l'ensemble, c'est RPC seulement qui est là-bas. Il n'y a pas d'autre parti qui est là. C'est la patronat et une personne vendue. C'est la patronat, il est là-bas parce que c'est une personne vendue de RPC. Vous avez fait une faveur à la patronat pour nommer le maire de Kindia pour au nom de partie de la patronat. Maintenant, Faber, la patronat a payé les Faber pour Faber. Maintenant, comment le maire de Kindia, c'est Ablaï Ba, qui est le maire de Kindia, qui était officiellement élu. Ablaï Ba. Maintenant, avec ethnocentrisme, avec le tribalisme, avec tous les anticonstitutionnels, vous avez imposé des partis de la patronat à Kindia, comme maire de Kindia. Maintenant, cette faveur-là, que la patronat a payé pour accompagner IRPC Arc-en-Ciel pour faire un coup d'état constitutionnel, pour faire une élection assemblée nationale de députés au Parlement guinéen. C'est une faveur que c'est la patronat, parce que vous avez fait une faveur. Comme il y a un accord politique entre vous interne, il y a un accord interne qui est entre vous, c'est la raison pour laquelle c'est là accompagné cette comme élection législative. Donc, mais en un mot, c'est RPC Arc-en-Ciel seulement qui est dans l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée n'a aucune légitimité. L'Assemblée n'a aucune valeur. Au sein international, au scénario international, aucune personne, aucun pays, aucune organisation nationale, aucune organisation internationale vont légitimer de cette assemblée nationale. Raison pour laquelle, même si on fait des conférences internationales pour différents parlements, différents présidents des parlements de différents pays internationaux, la Guinée, tout sur la Guinée, est d'exclure parce qu'il n'y a pas de bon parlement en Guinée. C'est un groupe, c'est un parti qui est dans l'Assemblée, qui n'ont pas la légitimité. Raison pour laquelle vous êtes obligé de dissoudre complètement cette Assemblée nationale. L'Assemblée nationale va être totalement dissoudre. Alpha Condé aussi, de force et de gré, Alpha Condé va quitter au pouvoir. Il va être plus humiliant que ce que vous allez penser. Il va quitter au pouvoir de manière plus humiliante. Il va être bien. Il va quitter là-bas. Il va dégager au pouvoir. Il va être bien humilié.
la manière plus humiliée. Alpha Condé va être dégagé la manière plus humiliée au pouvoir. Parce que trop, c'est trop. Le Guinéen, donc, c'est le Guinéen n'en a marre. Nous, les Guinéens, on en a marre. Donc, notre pays ne peut pas être bloqué à cause d'un clan mafia. Un clan mafia. Notre pays ne peut pas être bloqué à cause d'un clan criminel, sanguinaire, délinquant de rébellion dans notre pays avec les terrorisations de ces des populations et fait une kidnapping, torturer les Guinéens, dévalorisation de la vie humaine. La vie humaine n'a pas de valeur dans notre pays à cause de votre mal gouvernance. La vie humaine. Dieu a dit dans son Coran le Karim que la radi akramuna bani adama. Dieu a dit dans son Coran le Karim la taqtul bi nafs bi ghayri haqq. Mais donc qu'on ne doit pas tuer quelqu'un sans un motif bien justifié. Que Dieu a respecté l'être humain. Donc mais en Guinée, la vie humaine n'est pas les valeurs. La vie humaine est complètement dévalorisée. Donc, comment vous pouvez comprendre ça? La vie humaine n'a pas de valeur. Il y a des violations flagrantes de la loi guinéenne. Il y a des violations flagrantes de la liberté des citoyens. Il y a des violations flagrantes des droits de l'homme en Guinée. Donc, maintenant, vous pensez qu'on va continuer dans ça? Ce n'est pas possible. Donc, de force et de gré, Alpha Condé va quitter au pouvoir de manière plus humiliante. Manière plus humiliante. Il va être humilié. Bien humilié. Que ça soit clair pour tout le monde. Mais on va résoudre Assemblée nationale. Mois de janvier. C'est mois de janvier que Assemblée nationale va être dissolue. On va faire la dissolution de l'Assemblée nationale au mois de janvier. De force et de gré. Donc, si Kouressi Kondé a dit pour dissoudre l'Assemblée nationale, il faut que Senludalem va légitimer quelque chose qui n'ont pas légitimé. Si Senludalem a légitimé, nous les citoyens qui n'ont pas légitimé, donc Alpha Condé et Senludalem, ils vont dégager là-bas. Mais nous les citoyens, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. C'est impossible que le citoyen guinéen vont accepter. C'est pas Senludalem. Pour pas légitimer quelque chose qui n'est pas légitime. Donc, si c'est ça que vous pensez, pour que, parce que vous avez fait faveur à cela, patronat, pour que son parti va être maire de Kindia, maintenant, pour que cela, patronat, va vous accompagner pour l'élection Assemblée nationale, vous pensez que nous, on ne connaît pas le plan Machiavelli. On connaît tout le plan Machiavelli. La politique. Tous les Guinéens devenus politiciens aujourd'hui, grâce à Alpha Condé. Grâce à Alpha Condé, Alpha Condé a réveillé tous les Guinéens. Parce qu'avant, on n'est pas tellement intéressé à la politique. Mais vu la malgouvernance, vu la mauvaise gestion, vu la ethnisation des politiques, vu la tribalisme, vu la violence, vu la opposition des Guinéens, ça obligeait les Guinéens pour apprendre la politique. La raison pour laquelle c'est Alpha Condé qui a occasionné les Guinéens, que tous les Guinéens vont s'impliquer dans la politique. Mais sinon, c'est avant, le Guinéen s'en fout de la politique. Mais aujourd'hui, c'est Alpha Condé qui a légitimé tous les Guinéens rentrer dans la politique. Moi, personnellement, qui vous parle là, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien. Mais vu la malgouvernance, vu la situation qui est déplorante, désespéré, vu la situation inacceptable dans notre pays, qui m'a obligé de m'impliquer la politique pour parler la politique. Mais sinon, moi je ne suis pas politicien, je n'ai aucune ambition politique avant. Je n'ai aucune ambition politique avant, mais Alpha Condé m'a obligé de m'impliquer à la politique. Il m'a envoyé le terrain politique parce que je vois l'injustice. Je suis allergique avec l'injustice. Toutes les personnes honnêtes, tous les bons patriotes et allergiques avec l'injustice. Raison pour laquelle beaucoup de Guinéens devenus blogueurs et blogueuses aujourd'hui, et beaucoup de personnes devenues, il y a 200 et quelques partis constitués dans notre pays.
dans notre pays. Parti politique devenu comme une entreprise dans notre pays. 200 et quelques partis politiques qui est constitué dans notre pays aujourd'hui. Grâce à Alpha Condé, le parti politique est devenu aujourd'hui comme une marchandise, comme une entreprise. Si quelqu'un n'a pas d'argument, si quelqu'un n'a pas de moyens, si quelqu'un est pauvre, misérable, qu'est-ce qu'ils vont dire? Attends, je vais aller créer un parti politique. Donc, c'est très dommage. C'est Alpha Condé qui a poussé les Guinéens de faire ça. Parce que, toujours, la gestion de notre pays, on fait la gestion sur la base de l'ethnie, ou bien sur la base de régionalisme, ou bien sur la base de partidisme. Donc, grâce à Alpha Condé. Alpha Condé a privatisé tous les droits humains. Toutes les classes de droits humains dans notre pays ont été privatisées. Tous les droits humains, le citoyen guinéen n'a aucun de droit. Le citoyen guinéen n'a pas de droit de respirer. Le citoyen de droit guinéen n'a pas de droit de liberté d'expression. Le citoyen de Guinée n'a pas de droit de liberté de circulation. Le citoyen guinéen n'a pas. Ils ont privatisé tous les droits des citoyens. Ils ont privatisé le Guinée, même son propre identitaire. Parce que quand on dit l'identité de la personne, il faut que tu vas avoir une extrait de naissance, il faut que tu vas avoir une carte d'identité nationale, il faut que tu vas avoir un passeport. Maintenant, si tu n'as pas d'identité, comment on va t'identifier? Qui c'est toi? Toi, tu veux dire, moi je veux dire, je m'appelle Faudé Diakité. Maintenant, quand je pars dans quelque part, et donc le dit le policier que je m'appelle Faudé, mais c'est mon document avec mon visage qui va montrer mon identité, que c'est vrai, pour donner la certitude. Ce que moi je dis, que je m'appelle Faudé Diakité, que c'est le document guinéen, ou bien c'est le document identitaire qui va montrer la certitude, c'est vrai, ce que le monsieur a dit, c'est son nom et c'est son prénom, voici son visage, voici, ils ont fait l'apprenti, ils ont pris l'apprenti et pour le mettre dans son document. Donc maintenant, le Guinée est privatisé ses droits citoyens-là. Le passeport est devenu luxe dans notre pays. Le carte d'identité est devenu luxe pour les citoyens. L'extrait de naissance est devenu luxe pour les citoyens. Maintenant, quand Alpha Condé, tous les bilans d'Alpha Condé est négatif, 10 ans de négatif, maintenant, lui va dire maintenant que lui, pendant, maintenant, comme il est réélu, comme c'est un grand menteur, c'est papa promesse. Maintenant, lui va dire maintenant que la Guinée va être un pays émergent, que la Guinée, d'ici quelques années, dans 2 ans, 3 ans, que la Guinée va devenir le premier et le deuxième pays plus riche en Afrique, à part de Nigeria. Après Nigeria, quelle c'est la Guinée? C'est quel mensonge? On dirait que nous, on ne voit pas la vérité. Combien de corruption qui est dans notre pays? Combien de discrimination qui est dans notre pays? Combien tout le recrutement de fonctionnaires, ça s'est fait sur la base de l'ethnie, au nom de la famille, on regardait le nom de la famille. Même le moment de recrutement des fonctionnaires de l'État, le moment de recrutement des gens qui vont dans les fonctions publiques, le moment de recrutement les gens qui sont aux militaires et paramilitaires et policiers, etc., on regardait le nom de la famille de la personne. Parce que Alpha Condé a donné 3000 matriculations à Général Bafoui pour recruter les policiers, le nom de la famille Malinki. Donc, tous les recrutements aujourd'hui, dans les fonctions publiques aujourd'hui, on regarde le nom de la famille d'abord avant qu'on t'intègre dans les fonctions publiques. Maintenant, vous pensez que la Guinée va fonctionner dans ça? Vous pensez que la Guinée va être bloquée, plus en plus pauvre, sans l'avenir? Ou bien la Guinée va avancer dans ça, sans l'égalité? S'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de justice équitable, il n'y a pas de l'honnêteté, on n'a pas de foi en Dieu. Vous pensez que la Guinée peut développer? Loin d'être là-bas. La Guinée va devenir masse arrière, plus de masse arrière encore. Que le Guinée n'a pas mérité tout ça là, ce qui est en train de passer. Avec les malhonnêtetés, grâce à Alpha Condé, le Guinée a connu le trop d'ethnocentristes. Toute l'impunité est devenue légale dans notre pays. Maintenant, si tu es opposition, même si tu parles bonne parole,
ils vont te encarceler ou bien ils vont te tuer. Si tu es société civile ou bien si tu es activiste, même tu parles, même bon parent, ils vont te encarceler, ils vont te tuer, ils vont te torturer à mort. Maintenant, si tu es mauvaise, même on te voit avec les armes de guerre, même on te voit avec les bombes, ça là c'est légal pour les gens de mauvaise. Donc, même si tu as des bombes atomiques, si tu es mauvaise, tu es la bienvenue. Il n'y a pas de problème. Donc, toi, tu peux faire toutes les bêtises. C'est légitime pour toi. Donc, dans ça, on va marcher. Ou bien, si tu es malinqué, donc tu vas avoir les armes de guerre, tu peux avoir des bombes, tu vas faire toutes les bêtises. Mais tu n'as aucune inquiétude, tu n'as aucune inquiétude, ni sous-disciplinairement, ni les policiers, ni détention. Personne ne va te demander. Parce que tu es malinqué ou bien parce que tu es mauvaise. Tous les malfrats de mouvance, ils n'ont pas d'inquiétude, ils sont légitimes. C'est légal et ils vont faire des bêtises, il n'y a pas de problème, ils n'ont aucune inquiétude. Maintenant, c'est d'autres, le contraire, c'est lui qui n'a pas d'opposition. Et c'est lui qui est opposition, ou bien c'est lui qui est syndicat, ou bien c'est lui qui est société civile, ou bien c'est lui qui est population Hamda, qui n'a aucune importance pour la politique. Maintenant, toi, même tu fais quelque chose, un petit erreur, ou bien même tu parles un mot, ils vont te disqualifier pour envoyer dans un terrain glissant pour que la manière qu'ils vont te faire arrêter pour te bastonner, pour te tuer. Comment maintenant le pays va marcher dans ça? C'est dans le mensonge. Aucun pays va se développer dans le mensonge. Aucun pays va se développer dans les discriminations. Aucun pays va se développer dans les ethnocentrismes. Aucun pays va se développer dans le tribalisme, dans les violences. C'est pas possible.